accepteur, Monseigneur Félicien. Monseigneur Félicien Ndongema, vicaire général du 16e. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de visiter les installations de cette radio pour encourager vraiment l'initiative qui est prise ici afin de faire la promotion de l'évangélisation par les médias. Oui, Monseigneur, vous venez de terminer une année pastorale, 2020-2021, de par les ordinations et aussi la retraite des prêtres tenus à Mongomo, à la basilique Immaculée Conception de Mongomo. Alors, comment s'est passée l'année pastorale à Mongomo? Merci pour encore pour cette invitation, pour vous donner les informations toutes fraîches du diocèse d'Oyem. L'année pastorale dans le diocèse d'Oyem a connu pas mal de soubresauts, comme l'ensemble du pays, à cause de la situation sanitaire. Qu'à cela ne tienne, nous n'avions pas voulu laisser les chrétiens longtemps sans pourtant les nourrir spirituellement par la parole de Dieu et la célébration des sacrements. Et dans chaque paroisse, vraiment les activités habituelles ont dû commencer dès que les évêques avaient donné le temps de l'ouverture des célébrations eucharistiques et l'ouverture de l'année pastorale. Bien évidemment, tout se faisait en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement. Et ainsi, cette année, nous avions eu la grande joie de célébrer les ordinations diaconales et sacerdotales. Déjà en janvier, la cuvée était de 8, 4 diacres et 4 prêtres. Et au mois de juin, nous avions ordonné les diacres, donc les 4, mais il y a 3 qui ont été finalement ordonnés prêtres au mois de juin. Ce fut une grande joie de toute la communauté chrétienne du diocèse d'Oyem. Et les tournées pastorales du père archevêque, du père évêque, Monseigneur Jean-Vincent? Bien évidemment, il a réduit un peu ses tournées dans les différentes paroisses. Il avait pris l'habitude de faire les tournées canoniques pour visiter, les visites canoniques, pardon, pour visiter les prêtres, discuter avec les ouvriers apostoliques. Et la deuxième série de tournées concerne soit les conseils pour les jeunes, et la troisième série de tournées, c'est autour des confirmations. Et cette année, le mode a été réduit à 2 tournées, ce qui fait qu'au début de l'année, l'évêque a visité tous les prêtres dans le cadre de la visite canonique. Il a fait les 13 paroisses que compte le diocèse d'Oyem. Et après ces tournées canoniques, après ces visites canoniques, il a lancé immédiatement les visites pastorales. Et avec la célébration des confirmations, il prenait parfois 3-4 jours dans une paroisse. Et quand il n'a pas terminé, quand ce n'est pas suffisant, parce qu'encore les paroisses sont très étendues, il a reconduit ces tournées-là pour aller les visiter en dehors du format édicté dès le début. Et les institutions ont été aussi visitées. Donc c'était vraiment des tournées assez riches. Qu'est-ce qu'il faisait? Il réunissait tout le peuple chrétien autour du thème de l'année. Et vraiment c'était une exhortation, une incitation du Père évêque à l'ensemble du peuple chrétien à embrasser encore la foi. Et on a vécu vraiment des choses assez merveilleuses. Des gens qui ne s'entendaient pas dans leur famille sont venus se réconcilier devant l'évêque et devant toute l'assemblée chrétienne dans différentes communautés, parce qu'ils visitent la communauté. Et en même temps, des personnes qui s'étaient éloignées de la pratique ecclésiale, aller à l'église, les sacrements de mariage, ainsi de suite, la restauration dans l'Eucharistie. Donc les gens ont pris des grands engagements pour ce retour à l'église grâce à cette tournée pastorale de l'évêque. C'était vraiment quelque chose de très très merveilleux. On sort vraiment de l'habituel, mais vraiment on voit comment
les uns et les autres veulent encore embrasser la foi grâce à l'incitation du Père évêque. C'était quelque chose de merveilleux qu'il fallait vraiment vivre. Décrire une situation, c'est autre chose, mais la vivre présentement, c'est aussi une autre chose. C'était vraiment des témoignages, des très beaux témoignages qui entourent, qui émaillent vraiment cette tournée de l'évêque dans chaque paroisse, dans chaque secteur. Il va vraiment à la rencontre des chrétiens, le pasteur qui va à la rencontre des chrétiens, et nous avions vécu vraiment cela dans de très bonnes conditions, car quand on vit le retour à l'Église, le retour à la pratique chrétienne et le retour au sacrement, c'est une grande joie pour chaque communauté chrétienne. Monseigneur, vous avez dirigé il y a quelques années l'école des catéchistes de CEC de Vienne. Comment se porte ce centre? Est-ce que la formation est toujours assurée? Les catéchistes viennent de différentes paroisses, différents villages pour la formation? Il faut vraiment dire que le fonctionnement de l'école des catéchistes, que nous appelons CCLC, c'est-à-dire cours complémentaire de liturgie et de catéchèse, d'abord, tient à cœur l'évêque actuel, comme les autres évêques qui sont passés par là. Ils ont vraiment gardé cette école-là, malgré les difficultés traversées parfois dans le fonctionnement de l'école. Et l'évêque actuel, Mgr Jean-Vincent Leyen, a suivi la tradition des autres évêques, notamment de Mgr Basile, pour le maintien de cette école. Et quand j'ai dirigé l'école, au retour de mon stage, la fréquence de la formation était vraiment trimestrielle et c'était quelque chose qui, enfin, l'évêque incitait à ce qu'il y ait ces cycles de formation, ces sessions de formation. On a tenu le cap, en dépit, bien évidemment, de certaines difficultés. Et j'ai passé la main à un autre confrère qui a apporté une certaine innovation. Déjà, on avait commencé quand nous étions là, où les catéchistes, pendant la fête patronale, parce que la maison est dédiée à Saint-Joseph, on a instauré la journée diocésaine des catéchistes. Donc nous l'avons déjà fait dès le départ, où l'évêque vient à la rencontre des catéchistes. Si pendant le cycle de formation, l'évêque n'est pas là, mais pendant cette session-là, où les catéchistes viennent se retrouver comme frères autour de Saint-Joseph, l'évêque venait les rencontrer. Et c'était vraiment trois journées qui étaient vraiment où on voyait la présence de l'évêque. Et l'évêque était là, présent, pour accompagner les catéchistes. C'était d'abord la grande innovation. L'autre innovation que mon confrère a apportée cette année, c'était d'abord de regarder les différents catéchistes qui n'avaient pas encore suivi la formation. Le diocèse de Vienne vit une certaine dynamique à ce niveau-là, parce que on trouve deux, trois catéchistes par communauté chrétienne. Il y a des anciens, il y a des décès, mais en même temps, il y a une certaine régénérescence. Il y a toujours, même s'il y a des départs, enfin des départs causés par peut-être la mort ou bien par la vieillesse, il y a toujours quelque chose qui naît dans les communautés chrétiennes. Donc, de nouveaux catéchistes qui n'avaient pas encore suivi la formation requise étaient mis à l'honneur. Ces catéchismes étaient mis à l'honneur cette année, donc c'était vraiment la grande innovation. Donc ce n'était plus le mélange des anciens et des nouveaux, mais c'était les premières sessions étaient des sessions organisées pour donner une formation typique aux nouveaux catéchistes. Parce que ceux qui sont déjà anciens, c'est vrai, on peut former par des pairs. Ce serait vraiment une bonne communication, une bonne transmission par les pairs, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait déjà une certaine base avec les nouveaux catéchistes. Et c'est cette innovation-là que mon successeur a apportée, c'est-à-dire que cette première session était centrée sur la formation des catéchistes qui étaient nouvellement institués. Avec la pandémie de la COVID-19, la célébration des sacrements, l'année catéchétique, le catéchisme, comment est-ce que il s'est déroulé et la célébration des sacrements elle-même? Les restrictions sont là, ça c'est vrai, et il faut en tenir compte, parce que ce n'est pas à l'église où les chrétiens viendront contracter cette pandémie-là.
ce serait vraiment douloureux pour nous, mais on prend vraiment toutes les précautions nécessaires pour que les mesures barrières édictées par le gouvernement soient respectées. Nous-mêmes, on essaye de faire vraiment attention. Il y a des assemblées où il y a beaucoup de monde, et c'est vrai, en même temps, en province, il faut en tenir compte, ce n'est pas le même rythme de contamination qu'à Libreville. En province, c'est vraiment assez diminué, c'est assez rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment assez. Les contaminations ne se comptent pas par dizaines. C'est vraiment très, 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 très rare. Et il faut voir qu'en dehors de l'église, il y a d'autres cérémonies comme les retraits de deuil, les obsèques, les mariages. Mais à l'église, ce qui est intéressant, c'est que nous prenons toutes les précautions nécessaires, dont les précautions nécessaires édictées par le gouvernement. Le gel hydroalcoolique, les bavettes, on essaie d'observer la distanciation, un mètre et demi, même en pleine église, quitte à ajouter les tentes. Et on prend toujours toutes les précautions nécessaires pour que cela soit observé afin de minimiser le rythme de contamination. On voit bien que l'église, elle est mère éducatrice. Bien évidemment, comme tu le dis si bien, l'église est effectivement mater et magistrat. C'est vraiment le lieu par excellence de la meilleure sensibilisation. Je l'ai contacté. Il ne fallait vraiment pas supprimer les retrouvailles, les célébrations eucharistiques. Parce que c'est le terrain, c'est l'endroit où l'Église communique le mieux, c'est l'endroit où l'Église forme le mieux, c'est l'endroit où l'Église éduque le mieux. Donc on a appliqué les mesures gouvernementales. Nous-mêmes, nous sommes allés un peu plus loin, parce que la preuve en est que le rite de paix n'est plus vécu comme c'était la tradition. Donc ce qui veut dire que l'Église a accepté de prendre sur elle certaines mesures que le gouvernement peut-être ne maîtrisait pas quelque part, ne pouvait pas donner avec beaucoup de précision, mais nous avions pris vraiment ces mesures-là. La communion, par exemple, les gens à tradition qui aimaient communier à la langue, par la bouche directement, maintenant ont pris l'habitude de communier à travers la main. Donc ce qui veut dire que l'Église a pris conscience de la dangerosité de la pandémie, de cette maladie, et a voulu, bien évidemment, que tous les chrétiens en saisissent l'occasion et prennent beaucoup de précautions afin de ne pas être des cas contacts des uns pour les autres, afin de minimiser cela. Car cela ne tient, on a vécu, malgré ces mesures-là, malgré la difficulté de la pandémie, on a vécu vraiment la joie d'une année pastorale assez bien menée, assez bien vécue, du début jusqu'à la fin. L'Église, famille de Dieu, est le lieu de l'éducation, est le lieu par excellence, parce que avec la famille en crise dans notre humanité, il n'y a pas souvent dans les familles, l'éducation n'existe plus. Sans doute l'Assomption existe, mais pas l'éducation. Mais l'Église, elle est là, elle forme, elle enseigne, elle éduque, elle accompagne. Elle accueille à la naissance et accompagne aussi vers la rencontre avec Dieu. Monseigneur, ce dimanche, l'Évangile nous donne l'entendre le cri de Jésus invité les apôtres à aller à l'écart. Et l'année pastorale qui s'achève à Oyem a connu non seulement les ordinations sacerdotales, mais aussi la retraite des ouvriers apostoliques. Alors comment est-ce qu'elle a été organisée et où l'avez-vous vécu cette retraite de fin d'année? Comme d'habitude, c'est déjà une tradition dans le diocèse d'Oyem qu'au terme de chaque année pastorale, tous les prêtres, tout le presbytérium bien évidemment, ainsi que les diacres, autour de l'évêque, nous connaissons vraiment une semaine intense d'une retraite spirituelle. Et cette année, ça a pris un cachet particulier. L'évêque a insisté à ce que nous sortions non seulement de nos habitudes, de nos lieux habituels. Et parce que d'habitude, jusque-là,
on allait dans une communauté chrétienne au sein d'une paroisse du diocèse. Mais cette année, l'évêque a dit non, c'est mieux, l'évêque a souhaité que cette retraite soit vécue hors des murs du diocèse. Et ainsi, nous sommes allés à côté, dans une église sœur de la Guinée équatoriale. Nous sommes frontaliers à la Guinée équatoriale et principalement au diocèse de Mongomo. Il y a aussi le diocèse de Béguine. Alors, nous sommes allés à Mongomo, à la basilique, où nous avions été bien accueillis. On a connu vraiment des moments très intenses de profondeur spirituelle, de communion spirituelle, de prédicateur qui était là, qui nous a exhortés vraiment à être des prêtres témoins. En fait, c'était vraiment le centre des prêtres témoins pour continuer l'œuvre de l'évangélisation. Et c'était à la basilique de Mongomo où l'ordinaire du lieu a accueilli vraiment ces frères qui sont venus du Gabon, un véritable frère. Vraiment, je crois que l'Église, c'est aussi le lieu où nous pouvons parler d'une réelle fraternité. Je peux faire vraiment cette digression-là, parce que dans toute la société, dans toutes les sociétés, nous parlons de la fraternité en des termes d'appartenance ou de la tribu, en des termes d'appartenance ou de la génitalité, nous partageons le même sang. Nous partageons les mêmes préoccupations, nous appartenons peut-être à la même église, à la même confession religieuse. Donc, est considéré comme frère celui qui parle la même chose que moi, celui qui est dans la même confession religieuse que moi. Je suis musulman, donc c'est le musulman qui est mon frère. Je suis chrétien, catholique par exemple, c'est le catholique qui est mon frère. Enfin, on peut le dire comme ça. Mais au sein de l'église, nous vivons quelque chose de particulier. C'est l'endroit, le seul lieu, je peux le dire, sans risque de me tromper, le seul lieu où nous pouvons vraiment parler d'une fraternité universelle. Le Christ lui-même le dit. Toute personne que nous rencontrons est identifiée au Christ lui-même. Comme quand il a saisi Paul sur le chemin de Damas, pourquoi me persécutes-tu? Paul lui demande, qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais les gens que tu persécutes, ce sont mes frères. Quand on regarde aussi dans l'évangile de Matthieu, avec ce Samaritain qui vient secourir quelqu'un, alors que la personne a été abandonnée par ceux qui semblaient avoir la foi, alors nous pouvons comprendre que le Christ nous invite à vivre une véritable fraternité, une fraternité universelle. Et l'Église est le lieu où nous pouvons vraiment, nous faisons l'expérience de cette fraternité universelle, au-delà de différentes appartenances. Ou appartenance de tribu, appartenance de confession, appartenance de sang. Et nous sommes rejoints le pape François dans sa dernière lecture. Bien évidemment, c'est effectivement. Donc, nous sommes tous frères. Et le pape, vraiment, c'était providentiel au moment où nous vivons vraiment les dissensions, où nous vivons les exclusions, où nous vivons les indifférences. Je crois que cette lettre encyclique du pape est venue à point nommé où il faut vraiment se recentrer sur ce qui fait l'essentiel de l'humanité. Monseigneur, il y a aussi les charges que Monseigneur Jean-Vincent a tout évêque en début ou en fin d'année pastorale, et traditionnellement le deuxième en fin d'année pastorale, il y a ou les nominations de réajustement. Qu'en est-il pour l'année 2021-2022? L'Église a toujours été dynamique. Le dynamisme de l'Église amène à réajuster, à affecter, envoyer des ouvriers apostoliques là où le besoin se fait sentir. Ce qui fait qu'au terme de cette année pastorale, l'évêque Mgr Jean-Vincent Nguyen a fait un réajustement au niveau du mouvement du personnel apostolique. Et ainsi, il y a certains qui partent aux études et d'autres qui vont comme fidèles de nous dans d'autres églises sœurs qui en demandent, comme quoi l'Église est universelle, nul n'est si pauvre qui n'a rien à donner, nul n'est si riche qui n'a rien à recevoir. Alors ainsi, nous avions pu envoyer en fidèles de nous certains des confrères dans le diocèse de Chartres, en France, bien évidemment, et on a réajusté un certain nombre de choses. Donc nous avions connu aussi des moments d'affectation. Ce n'était pas le grand chamboulement que nous avions connu l'année dernière, parce que chaque 4 ans et chaque 2 ans,
on bouge les vicaires et les adjoints dans les institutions. Et chaque 4 ans, c'est le mouvement du personnel, de ceux qui sont curés, de ceux qui sont directeurs des institutions. Donc l'année dernière, nous l'avions connu. Et cette année, c'était vraiment un réajustement dans certaines paroisses, affecter les vicaires, un curé qui manque à gauche, à droite. Donc c'est le réajustement que nous avions fait. Si je prends un exemple, la paroisse Saint-Basile-au-Camp, qui a connu son curé qui s'en va en plus de nous à Châtres, en France, alors il fallait pourvoir un autre curé au sein de cette paroisse. Et l'évêque a affecté, bien évidemment, un nouveau curé et a déployé des vicaires dans d'autres paroisses. Et le curé de la paroisse Saint-Basile-au-Grand. Le curé de la paroisse Saint-Basile-au-Grand, c'est l'abbé Posquim Bial, oui, qui était en instance d'aller aux études, mais comme le projet n'a pas encore abouti, et l'évêque a trouvé mieux de l'affecter à la paroisse Saint-Basile-au-Grand en attendant. Et qui va enfiler le nom. Et c'est l'abbé Hervé Pascal qui va enfiler le nom en France, dans le diocèse de Châtres. L'abbé Hervé Pascal que nous avons connu à Libreville, la paroisse Saint-André. À la paroisse Saint-André, c'était l'abbé. Non, c'est l'économe que vous avez connu à la paroisse Saint-André. Il y a un autre prêtre qui était aussi à la paroisse Saint-André, Venceslas, oui, qui va aussi aux études à Rome. Donc, à cause de la pandémie et des restrictions que nous connaissons pour voyager, donc ils sont en train de peaufiner un peu les démarches administratives et consulaires pour pouvoir voyager. Monseigneur Félicien, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre appel. Pour nous donner d'écouter le quotidien de ce qu'a été l'année pastorale à l'Ambassade de Yen, les activités de Monseigneur Jean-Vincent, la vie du presbytérium, la formation des catéchistes et sur le redéploiement des ouvriers apostoliques, certains qui s'en vont comme fidèles de l'ONUM, c'est-à-dire près du 16 ans, envoyés, prêtés pour la mission. Et là, ils vont être nos ambassadeurs auprès de l'Église de France, la fille aînée qui nous a évangélisés par le Père de Cieux. Et nous aussi, nous allons, pour ainsi dire, évangéliser. Déjà, il y a quelques prêtres qui sont déjà en mission en France. Le Père Jean-Pierre Onvar. Jean-Pierre Onvar. Le père Abel, qui a fêté ses 40 ans de Chartres. Oui, à la cathédrale de Chartres. Bien évidemment, aux études aussi, il y a l'abbé Godefroy, toujours dans le diocèse de Chartres. Un mot, père Monseigneur Félicien, pour vous excurer, vous ne pourrez pas partir sans relever, vous êtes curé de la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Bussoc. Et le mois dernier, nous avons célébré Saint-Pierre-et-Paul. Merci. Alors, comment se porte Saint-Pierre-et-Paul? La paroisse Saint-Pierre-et-Paul, il faut le dire, c'est la première paroisse rurale du diocèse d'Oyenne qui fête cette année. Nous sommes en pleine année jubilaire, qui fête cette année ses 50 ans. Donc, on va clôturer l'année jubilaire en juin 2022. Et on vit, bien évidemment, dans ce dynamisme-là, dans cette ferveur de la célébration du jubilé. Comme c'est une paroisse rurale, il faut vraiment être ingénieux pour vraiment rassembler, visiter, aller dans les communautés. Et je vous avoue que c'est une tâche exaltante, en dépit de l'état de route. Mais les chrétiens sont tout heureux et honorés d'être visités constamment au lieu de les abandonner les dimanches. Mais nous avions déployé une méthode pastorale qui fait en sorte que les chrétiens soient vraiment nourris par la parole de Dieu, l'Eucharistie et les autres sacrements. Et je peux dire, on continue la tâche que les autres avaient. On n'est pas les premiers à y aller puisque la parole s'est dit depuis 50 ans. Donc malgré la situation précaire géographiquement parlant, et vu l'état des routes, et les chrétiens et les pasteurs, ils sont tout heureux. Et bien évidemment, l'évêque, quand il a fait des prêtres quelque part, il s'attend à ce que ces chrétiens soient nourris. Et quand il a des bons retours
l'évêque est tout heureux. Donc, le bonheur de tout prêtre, d'ailleurs, de tout pasteur, c'est de partager, de vivre la joie des chrétiens quand ils ont entendu la parole de Dieu, quand ils sont nourris par cette parole, quand ils sont nourris par les sacrements, et on voit la vie des uns des autres qui change, qui connaît un certain rebond, vraiment dans le sens de la connaissance même de Dieu. Alors, donc, je peux dire que c'est la joie de nous tous, de l'Église tout entière, des responsables de l'Église tout entière. Et nous le vivons, bien évidemment, au sein de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bussard, que je demande à soutenir d'une manière globale, hein, bien évidemment, par la prière. On a senti effectivement l'apport de votre prière pendant la célébration de la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul, que nous avions célébré, nous, à la paroisse Saint-Pierre et Paul, en différé, dimanche passé, effectivement, parce qu'on était en pleine retraite spirituelle du côté de Montgomont. Donc le 29, nous a trouvé, nous avions célébré cela. J'ai senti, pardon, la chaleur de mes confrères avec qui j'étais en retraite, et bien sûr de l'Église tout entière, parce que c'est une grande solennité. Et au retour, nous avions pu vraiment célébrer en différé les fêtes des colonnes de l'Église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et c'était vraiment une grande joie que les chrétiens, la parole Saint-Pierre et Paul, ont vécu à travers leur Saint-Patron. Et vraiment, nous étions tout heureux. Et je profite bien évidemment de cette occasion pour demander vraiment la prière pour cette paroisse qui a 50 ans, afin que le Seigneur continue à manifester ses merveilles auprès de ses enfants qui sont au sein de cette paroisse. J'ai saisi aussi l'occasion de dire merci à vous, l'abbé Serge, directeur vraiment de cette radio qui fait vraiment la promotion des médias catholiques. J'implore la bénédiction de Dieu sur vous, sur tous ceux qui œuvrent pour la progression, le développement des médias catholiques au Gabon, afin de continuer l'œuvre de l'évangélisation. Les moyens de communication sont des grands moyens qui peuvent nous permettre de vivre cette évangélisation-là, cette nouvelle évangélisation-là, de bonne manière pour toucher toutes les personnes qui, parfois, qui n'ont pas accès vraiment aux méthodes traditionnelles de communication, enfin de transmission de la foi. Et les médias servent vraiment un relais, c'est un pan particulier, entier, qui prend une part active à sa manière à l'œuvre de l'évangélisation. C'est pourquoi j'implore la bénédiction de Dieu sur tous ceux qui font la promotion des médias catholiques, afin que cette œuvre-là puisse être continuelle, pour que la population se retrouve toujours nourrie, se retrouve toujours touchée par cette parole de Dieu. Merci encore pour cette invitation, merci pour le travail que vous vous abattez ici, que le Seigneur ne cesse de vous permettre, de vous donner la force, de vous donner les idées, de vous donner l'intelligence, de vous donner bien évidemment la santé. Merci Monseigneur pour tous ces vœux à notre endroit, à l'endroit du service que nous rendons à l'Église, que l'Église nous permet de rendre. Et nous sommes heureux aussi, prions le Seigneur pour vous, pour ce ministère auprès de Monseigneur Jean-Vincent, qui est le vice-président de la conférence épiscopale et qui est un fils de l'archidiocèse de Libreville. Donc c'est un missionnaire à sa manière, voulu par Dieu. Et donc notre prière vous accompagne et que le Seigneur vous bénisse. Merci.